Ouais, les amis, donc voilà, je sais pas si je vais dire des séquences avant sur skill, mais au pire, voilà, bref. On va commencer une base, etc. Parce que skills ont fait des bonnes nouveautés en attendant que notre serveur ouvre. Je joue sur skill PvP parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal avec leur nouveauté, avec la farm tool, c'est ça? C'est la farm tool. On va essayer de la crafter maintenant, je pense. On va essayer de voir parce que c'est 4 titacites en tout. Et j'ai pas de j'ai 4 titacites. On va faire le kit minerai juste pour ouvrir le petit rang de mort. Parce que je n'ai pas. J'ai rien du tout sur skill. J'ai une pépite de space, non? J'ai une pépite de space. Non, je crois que j'ai rêvé. Ouais, j'ai rêvé. Bon, on n'a pas eu grand-chose, hein. On n'a pas eu très... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va faire une petite base, sûrement une sky ou un homme sous terre, comme ça on va se faire un bon petit truc pour commencer la farm tools. Je pense que je vais faire avec les blés, on verra bien. Je vais regarder l'item du moment, c'est quoi le plus cher, donc voilà, bref. Je reprends dès que j'ai ma petite base et voilà, tout simplement. Ouais, bon, en gros, ce qui est rentable en ce moment, c'est surtout la tomate, le cactus et le colza. Donc voilà, on ne sait pas quoi farmer, je pense, parce que le blé est bof. Mais le cactus c'est bien, mais bon, c'est chiant à faire. Les tomates, j'essaie de voir comment on fait les tomates. Les tomates, ça a l'air d'être rentable. On va en acheter combien? On va en acheter déjà 10, ça coûtait 100 dollars. On va voir comment ça marche. Oh, mais non, mais c'est des piles à tomates, je crois que c'est des graines, non? Oh ouais, mais oh, je suis un baiser. Bon, c'est pas grave, j'ai acheté des graines de tomates. On va commencer un peu à farmer les tomates, etc. Par contre, j'ai pas d'or. J'ai vraiment pas d'or. On va essayer d'acheter slash HDV. On va essayer d'acheter de l'or. Or. Je sais pas si c'est gold. Non. 1000 dollars. Bon, achète. Achète or. Go MP. Donc voilà, bref. Je vous reprends dès que j'ai ma petite base et commencer ma farm à tomates, les amis. Ouais, les gars, c'est bon. J'ai acheté mes petits blocs d'or. On va juste la crafter. C'est deux titas. Oh, il faut faire cuire du titacide. Bon, c'est pas grave. Hop. Bon, en fait, je suis un peu con. Il me faut de la cobble, etc. Bon, en vrai, bon, je vous reprends directement dès que j'ai vraiment la farm tout. Parce qu'après, il faudra farmer 4000 de monnaie pour l'acheter. Bon, ça va pas être très compliqué. On va vendre sûrement une pépite de space, des creepers, etc. Pour avoir 4000 de monnaie et sûrement se l'acheter. Donc voilà, je vous reprends directement dès que j'ai ma base et commencer à faire cette petite base et la ferme automate comme ça. Ouais, heureux. Donc voilà, j'ai une mini bloc d'XP, etc. Là, j'ai fait cuire mon petit acide. Est-ce que j'ai encore du bois? J'ai encore du bois, c'est nickel. Désolé, hop. Alors, on va faire comme ça. Je crois que c'est 4 blocs d'or. Enfin, j'espère que c'est 4 blocs d'or parce que j'aurais le seum sinon. Ah oui, c'est bon, j'ai la petite farm tools, mes amis. Il me faut juste que j'ai le petit livre pour récupérer. Je sais pas, je vais mettre quoi. En fait, j'ai sûrement envie de la Nether Ward parce que. Ou le blé. Parce qu'en vrai, comme ça, je mets juste un petit livre Endwalking 3 avec le petit kit enchanteur là, le petit kit enchantement. Et puis voilà, kit enchanteur. Donc voilà, hop, on met ça là-dedans. Hop. Donc voilà, bref, je vous reprends dès que j'ai commencé mes plantations et dès que j'ai commencé à avoir un peu de monnaie pour m'acheter le lien. Donc voilà, je suis acheté, bah j'ai enchanté plutôt une pharma que j'ai eu ça level 30, c'est super, U3. Bref, on va mettre l'eau ici, donc voilà, ça commence à pousser. Je sais pas en fait si ça marche vraiment comme lumière ça. Pointe l'eau sur skip PP, c'est toujours aussi bugué, je trouve, hein. Je sais pas pourquoi, genre c'est long. Genre c'est grave long à pop. Je sais pas si ça se casse par contre, j'ai pas envie de sauter dessus. Ouais, par contre, enfin, ça c'était pas obligé, tu vois. Oh putain, mais au pire, je suis vraiment. Oh, ouais, c'est bon. En fait, ça compte comme un gros bloc, tu vois, donc c'est un peu chiant. C'est très très chiant. Bon, c'est pas grave. On va voir si ça pousse quand même ou pas. Hop. Hop, hop. Bon, on va voir si ça pousse. On fera des grands champs, voir si ça pousse vraiment vite ou pas. Bref, donc voilà. Je vous reprends au pire pour une prochaine séquence. Donc voilà, à tout de suite. Ouais les gars, donc là j'ai commencé déjà un peu, j'ai un peu agrandi la base, donc voilà, ah il y a encore une tomate, par contre cette pieuvre ne veut pas pousser, donc voilà, j'ai déjà commencé ici pour faire un champ à blé ou bien à patate, on verra, enfin ça change en 2 secondes vu que c'est un truc qui se plante aussi. Donc voilà, j'ai assez pour le livre, j'ai vendu des creepers, ma pépite de space à l'HDV histoire de me faire un petit peu de monnaie. On va mettre de l'eau ici et de l'eau ici, hop et hop, donc voilà, hop. Putain. Hop, désolé. Hop, ici. Et du coup, je vais farmer les graines. Et après, je pense qu'on va se laisser là pour ce 2 LP là. Ça aurait été un bon petit LP. Et donc voilà, je vais juste aller jeter le petit livre avec vous pour... Ah, mais c'est un truc différent pour le blé, etc.
Oh, au pire, je vais prendre le blé, hein, c'est pas grave. On va prendre le petit blé ou les carottes, attendez. Hop, agriculture, voir la bourse. Ouais, autant prendre le blé, hein. Hop, on va prendre le blé. Pour l'instant, je vais juste prendre le blé. Cacao, nether wart, patate. Cacahuète, non, mais cacahuète. Patate et le truc, ils auraient dû mettre. Blé, carottes, ils auraient dû mettre ensemble, en fait. Bon, ça aurait été un peu plus logique, bref. Yum base. On va prendre les bottes de XP, on va les warp all et puis on va s'enchanter cette petite farm tools. On va la mettre en breaking en même temps avec le livre qui se trouve normalement dans les coffres. En breaking warp shop, warp, non c'est warp all. Bon, warp, oh, bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va enchanter ça et puis moi je vous dirai bah tu vois ici meilleur et puis voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, il y aura beaucoup de séquences à LP, on va dire qu'il change un petit peu. Le skill chest, il faut faut l'acheter, c'est vrai, merde, c'est où les trucs là? C'est ici, d'accord. Bon, c'est un peu casse-couille. Merde, putain, ouais, c'est chiant en fait ici. On va se mettre 10-15 niveaux, je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon avec tout ça. Hop, on prend ça. Merde, on prend ça et les farm tools récolte du blé. Et j'ai assez, donc voilà. C'est nickel, j'ai la farm tools pour récolter du blé. Bref, putain, j'arrête pas de bégayer, bref. Ça c'est Logistube by Simer les amis, et puis on se capte d'ici 2-3 jours pour une nouvelle vidéo sur Skill PvP avec l'avancement de la farm à blé, etc. Donc voilà, chouchou pour jouer sur Skill PvP. Sûrement faire une faction abonnée, dites-moi ce que vous voulez sur Skill, il y aura certainement des points motifs à gagner dans cette vidéo-là. Lâchez un like, et puis voilà.